Salut à tous, bienvenue sur vaincrelapageblanche.com, le site sur lequel je vous parle d'écriture. Comme chaque jour, je vous retrouve pour cette petite vidéo. Vous posez toutes vos questions en commentaire ou par email et je vous réponds ici en vidéo. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de suspense Bernhard Wunsch. C'est allemand ça, j'ai l'impression, Bernhard Wunsch. Je ne sais pas si je le dis bien, je n'ai pas fait allemand à l'école primaire, ni même au collège, ni jamais. Dis-moi si j'écorche ton nom, si c'est ça, je suis désolé. Ensuite, la question, génial, merci pour ce direct encouragement, sympa. Pour commencer, j'aimerais savoir comment m'organiser. D'autant plus que je traite déjà plusieurs sujets et que ce n'est pas les brouillons qui me manquent. Le plus important est un roman historique au sujet de ma famille. Le titre, Wunsch, les souhaits et les vœux. Mais je tiens aussi mon journal pour partager mon confinement solitaire. Ah, le confinement. Bon courage pour ton confinement solitaire, je sais que c'est quelque chose de difficile et on dirait que pour toi aussi. Bon, pour te répondre, tenir un journal, je pense que ça peut être fait en plus d'un projet d'écriture comme tu le fais. Donc pour moi, c'est pas un problème. Néanmoins, attention à ne pas avoir plusieurs livres en même temps, plusieurs histoires en même temps. Je pense que ça, c'est un piège qu'on peut facilement, dans lequel on peut facilement tomber et qui n'est pas bon parce que pour moi, quand on écrit une histoire, on doit vraiment être complètement dedans avec les personnages, on doit être proche de leur psychologie, proche des événements. Donc, c'est une parenthèse, hein. C'est pas exactement ta question, mais attention à ça. Si jamais tu as trop d'histoires en même temps, c'est difficile d'en approfondir réellement une. Donc je recommande toujours d'en avoir une à la fois. Maintenant, dans ton cas, tu as vraiment un livre et un journal, c'est bien dissocié, je pense que c'est faisable. Quoi qu'il en soit, pour te répondre, comment t'organiser si jamais tu as plein de brouillons? Je pense qu'il y a une expression qui est très, très bonne pour moi, c'est le « trop de ceci tue ceci ». Trop de brouillons tue le brouillon, je pense que ça marche aussi. Méfie-toi, si jamais tu as tendance à avoir trop de notes, trop de brouillons, que tes idées sont trop éparpillées sur des petits papiers, des documents, des notes sur le portable, des notes sur l'ordinateur ou quoi, il est très possible que tu sois du coup pas assez concentré sur la tâche que tu as à faire. Ce que je te recommande dans ce cas-là, c'est de créer un brouillon dans lequel tu mets absolument tout. Tu mets toutes les notes. Donc à l'arrière, tu réunis toutes tes notes et tu fais un brouillon qui résume absolument tous les événements, toutes les notes, toutes les idées, d'une manière chronologique. Comme ça, tout ce qui n'entre pas dans ton brouillon, c'est que c'est hors sujet, tu peux le virer. Et tout ce qui rentre dedans, bah, c'est noté et c'est définitivement noté. Ensuite, une fois que tu as toutes tes notes qui sont réunies, donc elles sont mises d'une manière chronologique, et à ce moment-là, tu peux approfondir certaines d'entre elles, faire en gros dans certaines idées, certains titres, certains événements. Tu vas ajouter des petits détails que tu vas avoir envie d'approfondir au moment où tu écriras. Et avec ça, en fait, c'est évident ce que je dis, mais ça s'appelle faire un plan. Et bien, une fois que tu as ça, toutes tes idées sont cadrées. Tu ne seras pas perdu avec plein de papiers partout qu'il faut aller retrouver à chaque fois que c'est le moment d'écrire ceci ou cela. Non, tout sera prévu. Et une fois que tu as la vue d'ensemble, déjà, tu risques d'avoir d'autres idées qui vont te venir. Et dans ce cas-là, bah, tu alimentes ton plan. Mais surtout, tu ne vas pas te perdre et tu ne vas pas perdre du temps à rechercher des notes à droite à gauche. Voilà de quelle manière je te recommande de t'organiser. Prends un seul brouillon qui est complet. Pour moi, c'est ça qui t'aidera le plus. Voilà Bernard, j'espère que ça t'aide. Encore une fois, je suis désolé si j'écorche ton nom. J'espère que ces explications sont claires pour toi et que ça te sera utile. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Comme toujours, je vous attends demain pour la prochaine vidéo. Vous me questionnez et je vous réponds avec plaisir. N'hésitez pas à me dire vos problématiques dans l'écriture. C'est avec plaisir que j'y réponds. Je vous dis à demain 20h. Ciao les passionnés !